Et salut tout le monde, c'est Tatan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur le T-34 modèle 1942 qui est juste là. Donc alors, pour ça il vous faut de la stone brick, des escaliers en stone brick, des slabs, enfin bref, la dalle, les escaliers et les blocs de stone brick, de l'argile durcie verte, des stone slabs, des cobblestone walls, cobblestone stairs, des portillons en bois, n'importe lequel, des plaques de pression, une torche de redstone, une échelle, un coffre, un tripwire et une autre trappe. Donc alors, on va poser 9 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ? Ah bon ? Ah ouais, non. Il y en a un que j'ai pas compté. 1, 2, 3. Et on repose 9 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Ensuite, un escalier à l'envers. Un autre par de l'autre côté. Et vous faites ça. Derrière. Ensuite, une dalle. Une dalle. Une dalle, un bloc. Une dalle, un bloc. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Une dalle ici et là. Ensuite, nous allons mettre 9 blocs de stone brick au-dessus de slab AB bloc. Nous allons juste mettre ça pour former une belle petite chenille. Enfin, deux belles petites chenilles. Ensuite, de là, cette dalle, jusque celle-là, vous rebouchez. Attention, petit coup de lag. Voilà. Ensuite, à l'avant, vous mettez 3 escaliers de cobblestone. Dont ensuite, vous allez mettre 3 blocs d'argile durcie verte. Au-dessus, 1, 2, 3 dalles. Votre portillon. Et une dalle. On continue vers l'arrière. Un cobblestone. Enfin, un escalier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Avec 8 avec lui. Donc, un bloc ici. Un autre ici. 3 blocs. Vous mettez ensuite un muret, voilà. Décidément, moi et l'anglais, ça fait deux. Pour faire les réservoirs, enfin les pots d'échappement. Ensuite, vous venez combler jusque là. Donc alors, vous comblez sur 4 blocs. À l'avant, deux colonnes de 2 blocs de haut pour boucher sur les côtés. Un bloc ici, un deuxième, un escalier là et là, encore.
Et toujours un autre bloc. Et non, pas la forme que vous pensez. Pour certains qui auront l'esprit un peu, voilà, pervers. Vous remettez un escalier là et là. Un bloc. Et... un escalier. Ensuite, 4 dalles autour du trou. 1, 2, 3, 4 murets. Deux plaques de pression ici. Ensuite, vous êtes à l'intérieur. Vous remettez des blocs ici afin de fermer. Et vous mettez. Hop, attendez. Alors, il faut que je prenne ça, ça, ça. Et c'est tout. Alors, on met les portillons ici. Mince, les coffres de chaque côté et une torche au-dessus. Et enfin, vous avez l'échelle qui vient là. Ensuite, on prend le portillon. On le met position vers l'avant. Hop. À l'avant, vous mettez des. Ah, j'ai plus le nom. Des trappes, voilà. Est-ce que c'est tout? Non, j'ai oublié le bouton à l'arrière. Pourquoi des crochets? Est-ce que j'ai mis un crochet? Ouais, oh, c'est ok. J'en sais que dalle. Pourquoi des crochets? Bon, je sais plus. Du coup, ça dégage. Ah non, je me rappelle pas avoir utilisé des crochets là-dessus. Bon, en tout cas, avant que je dise comme d'habitude, vous savez, commenter blabla et blabla. Petite dédicace à EnjoyPhonix15, Zap37, Silatar Arctic, excuse-moi. Et Cutimini, petite dédicace à vous. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine et bye!